Ici, la crainte gagne du terrain. Ce restaurant cachère l'assure depuis les attentats de janvier, sa fréquentation est en chute libre. 50% du chiffre d'affaires. Autant que ça. Ouais, autant que ça. Les gens ne sortaient plus, les gens ne venaient plus faire leurs courses, les gens ne sortaient plus, n'allaient plus manger au restaurant. Ce quartier de la capitale, la communauté juive y est installée depuis des décennies. Pourtant, aujourd'hui, les anciennes générations témoignent d'un changement des mentalités. J'étais dans une école laïque, il n'y avait aucun souci. Et puis maintenant, je ne me vois pas mettre mes enfants dans une école autre que juive. Et ça a un coût ? Ah oui, un coût énorme. Ça coûte très 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 cher. Alors dans le quartier, certains sont partis direction Israël. Une option que beaucoup préféreraient éviter. C'est compliqué. C'est compliqué parce que la France, c'est notre pays. Nous, on est des enfants d'immigrés, mais on a toujours vécu en France. Donc pour nous, c'est notre pays et en même temps, on se sent presque poussé vers la sortie avec tout ce qui se passe. Selon un organisme communautaire, le nombre d'actes antisémites en France a doublé en 2014.